Ah, OK. J'ai mon morceau ici. Là, j'ai échappé la petite. Donc, je vais la chercher. Hein, checkez ça, la belle area. Ici. Un beau trou au travers des drettes. S'il y a un trou qui descend, ça descend au travers, à côté de l'arbre, ça descend entre les cèdres. Les cèdres ont tout été penchés. Puis ça fait un beau trou en plein milieu. Puis je vois des os là-bas, là, des vieux os. Puis là, puis tu t'en vas en avant ici, puis là, ça descend dans sur le bord du cliff qu'il y a là. Tu sais, il y a des traces. Il y a des traces partout. Et là, il est mouillé pas mal, fait que ça paraît pas trop fort. Là. OK, je vais regarder d'en haut ici. Je descends ce bord ici, donc je vais descendre par là-bas. Ben, je vais essayer. Il y a des places que je veux pas me faire pogner, puis je vais être pris pour revenir. Bon, je vais pogner mon petit crâne. Ah ouais, ça a l'air pas mal. Hein. Bon, comment je vais faire pour tenir ça demain? Comme ça. Lui, c'est lui qui est solide. OK. Je prends une fois que je prends le solide. Lui, je l'ai juste rentré dans le trou. OK, on va voir si je suis capable de descendre par ici. Je sais pas si je suis capable. Il y a un beau cliff là. Là, il y a des places qui ici. Là, je sais que quand je suis allé plus loin, il y avait des kilomètres de cliff. Fait que c'est... À un moment donné, si je prends pas une coulée, je pourrais pas descendre. Hein? Il y a des traces partout ici. Ce que je disais en arrière de ça, là. Pouf, ça sort en arrière et ça s'en vient là. C'est là, la grosse boule, le gros boulder. Ah, je vais le descendre en bas là. Waouh! Hein? Ouais, là, aussi. Mais là, moi, je suis mal à manger pour descendre dans des places de même parce que là, j'ai les deux mains pleines. Puis j'ai mon bâton de gueule, puis ici, pogné après le corps. Ouais, qu'est-ce que ça va faire? Je vais me garocher ça en bas. Ah! C'est exactement ça. Tu pognes ça sur un chevreuil, tu pètes quelque chose, c'est sûr. Bon, là, faut chauffer. Ouh, une petite place pour venir s'asseoir. Checker qu'est-ce qui passe. Comme je disais, là, le flusher un animal, là, eux autres, ils arrivent, puis il y en a qui se cachent, c'est, là. Il y a quelque chose qui se promène, là. Bon, on sait que c'est quoi le sac qui serait le plus facile. C'est ça. Ça va être pour se trouver les branches. Branches à quatre pattes. Et regardez ça, là. Comment ça a été plié. C'est pas des jokes, ça, là. Hein? Ça a été bien plié. Plié. Puis vous voyez, il y a une trace qui passe très de site. Ça passe au travers du broussailles. Peut-être là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui a passé ici. C'est tout écrasé. Puis ça monte là. Puis tous ces arbres-là sont descendus. Oh, je viens de perdre un bout. Mets ça là. Wow! C'est pas le camp en bas, là. Bon. Là, je commence à avoir trop de stock dans les mains. C'est ça qui arrive. Bon, je vais installer ça, là. Bon. Ça, c'est bien installé. Mon petit, je peux pas me le mettre dans les poches. Pas vraiment. Alors, je peux pas comme ça. Les petits doigts, là. Les petits doigts comme ça, dans le trou de la colonne. OK, excusez pour le... Le montrage de la jambe, là, mais je suis mal à mancher, là, je suis pogné, j'ai une patte en bas sur le bord de l'arbre, je suis pogné sur un cap de roche. Moi, je me relève de là. Ouah! Je suis pogné au travers des branches. Bon, aïe, le bâton de golf est pogné en arrière. OK, là, je pogne ce bout-là. Oh! Ça pèse comme 20, 25 livres, ça, là. Un bon 25 livres. Bon! Ah! OK! Bah, oh, voyons! Bon, on descend. Hein? Je dépense de l'énergie dans une journée quand je me promène dans mes affaires de mer. Passer 7-8 heures là, à monter puis descendre puis marcher de côté au travers de tout. En tout cas, je fais assez de bruit, tes cougars ils vont se tasser. À moins qu'ils. Alors, regardez ça, c'est là que j'étais. J'aurais pu descendre dans le milieu, mais là, j'ai pas. Je peux pas me servir de mes mains. Là. Je suis pas suicidaire, comme j'ai dit tantôt. Bon, c'est tout beau, ça. C'est tout un méchant, gros. Hein, les roches sont toutes empilées, une par une. Mais là, j'ai plein d'affaires dans le soulier. Ici, tu vois qu'il y a quelque chose qui descendait. Ça glisse, tu sais. Ou il était peut-être pressé de descendre parce qu'il y avait quelque chose qui courait après.
Ouais, les branches sont toutes écrasées. Ouf, c'est fatigant, là. Ok, regardez, c'est quoi ce qu'il y a fait, cette affaire brune, là? Un morceau de terre, ça. Qu'est-ce que c'est, ça? Je vais vous zoomer. Ah, c'est-tu un nid? On dirait qu'il y a un nid par-dessus, puis l'autre en bas. Ok, je vais apporter ma corne, là. Puis je vais aller checker ça vite fait. Excusez. Avec le téléphone, là, c'est moins qualité. C'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Ok, fait que je vais aller checker ça. Je vais apporter ma corne là, ben, proche. Je vais trouver leur venir ça. On dirait qu'il y a un nid. Ah, j'ai dans la misère à monter, là. C'est quasiment de carré. Faut pas observer mes patins. Oublie ça. Ouais, il y a un nid d'oiseau en haut, là-bas. Là. Dans le. En bas, je sais pas c'est quoi. On dirait que c'est de la bouette. C'est ça. Allez voir. Faut que j'aille voir. Je comprends pas. Je comprends pas c'est quoi. C'est qu'il y en a pas non plus. Quatre pattes. Là. Ah, il y a des traces. C'est un morceau de terre pogné dans la roche. Il y a quelque chose qui a fait un. Qui a fait une petite montagne, ça, tu vois. Hein? J'arrive d'en haut, là. Là, je commence à avoir mal au côté des pieds. À me promener de côté de même. J'ai entendu du bruit en haut, là. Il y a quelque chose qui descend ici. Qui s'en va là. Un morceau de terre. C'est quoi? Ah, c'est des gros nids de quelque chose. Ça, c'est quoi? Il y a un nid en haut. Faut que j'aille voir. Faut que je grimpe ça. Ça, je vais laisser ça ici. Je suis aussi capable de descendre ici. Là, je peux pas descendre, c'est sûr. Ça, je vais casser ça en bas. Casser ça d'être là. D'être là. Wow. OK. Puis le petit. Wow, c'est moi qui t'es en train de descendre. Le téléphone. Ouais, ben là, je suis obligé de descendre pareil. J'ai pris une bonne levée. Puis moi aussi. Ça marche encore. Ouf. Ça marche encore. Il a fait une culbute d'en haut, là. Il a passé les cornes. Puis moi aussi, j'ai failli faire une culbute. Bon, on va monter là. Oups, excusez, le zoom, j'ai les doigts sur le zoom. Parce que je suis gaucher, descendant. Bon, c'est... Et là, je m'en vais en haut, là. Voilà, faut que j'aille voir ça. Bon, là, au moins, je vais avoir une main libre. Là, faut que j'en monte. Ah! OK, je vais l'arrêter, puis je vais... Non, c'est vrai, c'est la qualité pour Simon. En tout cas... Vous allez voir que le téléphone a pris une bonne débarque. Il a fait beaucoup d'éculbutes. OK, où c'est que je monte? Je vais monter ici. Monter ici. Moi, je serais pas monté là. Ben, je pense bien. OK. Bon, une main ici. Les croches sont solides. Yes! Poigné sur le bord des cliffs. Bon. Si ça squatch me regarde, il va dire que c'est un méchant malade. Bon, je vais changer de main parce que là, je pense que c'est l'autre bord. Placer les pieds comme il faut. Là, faut pas que je crisse le camp en bas pantoute. Parce que là, je vais me faire mal, c'est sûr. Okay. Qu'est-ce que c'est ça, ces affaires? L'autre bord, on va y aller en zigzag, c'est pas mal moins compliqué. C'était des trous. Mais quoi, c'est ça? C'est ta marde, là? Des nids, quelque chose. Fait qu'on dirait que ça a été placé là, ces roches-là. On dirait que ça... Oh, c'est une... Ça a été placé là, ces roches-là. Même j'étais en bas, là. Les cornes sont là-bas. Bon. Moi, je suis de côté. On va changer de main encore. Pogner après les roches, au moins. Hop, crée le camp.
Ouais. Que ça me prendrait quasiment des pics pour faire de l'escalade. Ah, je me prépare de mal. Là, c'est quoi, du fungus? C'est comme des champignons. Là, qu'il y en a deux, sept. Là, cette boîte-là, on dirait que c'est de la boîte. Allez, dans le zoom. Ah. Ouais, c'est fatigué, là. Bon, c'est pas comme pas me casser la gueule en descendant. Je vais vider mes souliers pour commencer. En tout cas, je peux vous dire quelque chose. Il n'y a pas grand monde que je connais qui est capable de me suivre dans le bois. Monter des cliffs, descendre des cliffs. Une main, à quatre pattes. Hop, on entend les craquer en haut là. Tu mets pas les roches à la tête là. Ok. Ça c'est du calcaire, c'est du sel. Il y en a pas mal de ça dans les montagnes. Ça. Les chefs de montagne, ils mangent de ça. Les boucs puis les chefs. Ah, c'est quoi ça? Là, c'était plus facile de monter que de descendre, ça c'est sûr. Parce qu'en descendant, tu fais du slalom. En montant, au moins tu peux te pogner avec pas. Bon. Ok, je vais l'arrêter là. Puis je vais la repartir. Ça va faire des grands clips longs. Là, puis j'aime pas tant que ça. Ah! J'étais en haut là-bas, là. J'ai slidé pas mal en bas. Là, j'ai pris un petit break avec la caméra parce que là. Je vais me péter à la gueule à un moment donné. Là, je suis dans une petite traîne de chevreuil. Là. Mountain Gold, je sais pas trop quoi, là. N'importe quoi. Puis je vais descendre ici, là, puis je pense que je vais essayer de me rendre au chemin. Je vais être assez loin de mon char, mais c'est pas grave. On va prendre une petite marche dans le chemin, puis checker ses côtés, qu'est-ce qui s'est promené, qu'est-ce qui a traversé le chemin. Je fais souvent ça aussi. J'arrête à des places, puis je prends une petite marche pour voir qu'est-ce qui a traversé le chemin. Comme ça, ça me donne une idée de quelle sorte d'animal qu'il y a dans le coin. Puis là, ces arbres-là sont tous baissés. Ces sept-là, avec une cachette en arrière là-bas. Je suis dans la roche, il y a des traces un peu partout, mais là, avec la pluie qu'on a eue, ça a tout flatté tout. Fait que tu peux pas. Je sais que tu vois que c'est des chevreuils, des chefs de montagne, puis. Des boucles. Et tu vois ici, il y a des arbres cassés. Tu vois les arbres qu'il y en a un là, puis il y en a un là-bas. Ça, c'est des. D'habitude, c'est des Sasquatch, des pins. Il y a même des boulders, j'ai pas vraiment vu de caverne encore, là. J'ai pas vu d'autres races. Pendant que je filme, je regarde tout le temps pareil. Là. C'est pour ça que des fois, quand je filme à terre, je filme un peu partout. C'est parce que là, je regarde pas ce qui est dans la caméra. Je pointe la caméra en m'en allant, puis sinon, je regarderai tout le temps où la caméra pointe, je trouverai jamais rien. Fait que moi, je me promène, puis j'essaie de la tenir la plus de bout possible pour pas trop checker tout le temps à terre. Mais il faut que je check un peu pareil, parce que je check les empreintes, comme ici. Très sympa là. Je passerai pas dans les roches. Ça me tente de me passer un petit peu. Ah, mais je vais passer dans le gazon. Voyons ça. Les traces qu'il y a là. Les traces ici. Les traces tout le long. Ça, ça a l'air d'être un cougar. Ah, oh, ouais, je suis fatigué. Hein? Il y a des traces partout ici. Là, tu vois. Celui-là, il est pas pire, cet arbre-là. Ben, la racine. Oui, il y a quelque chose qui passe là tout le temps. Oui, la trail, elle descend ici. Là. Moi, je ne l'ai pas suivi. Hein. C'est la trail que j'étais dedans tantôt. Ouh! Il fait du slalom. Les roches sont glissantes, sont trempes. Bon, je vais perdre ma corne. On va installer ça. Reste ici. Ouh! Bâton de gobelet en face. On est prêt. Bâton de sang. Ok. Peut-être, tu sais, il y a quelque chose qui. Tu sais, ça traîne. Le chevreuil passe tout ici. Il y a plusieurs animaux qui passent ici. Ils traversent là. C'est en même place. C'est tout mangé. Il y a des coulées un peu partout. Ça, c'est des petits animaux qui se cachent en dessous des roches là. Tu vois que ça rentre puis ça sort. Ça a été gratté. Puis... C'est des roches cassées. Partout, des roches qui ont déboulé, qui ont pété. Ah, pas pire la racine, il y a des roches pognées au travers de la racine, ça a grossi dans la racine. Aïe,
je sais même pas comment loin que je suis du chemin. Tu vois, ça, c'est même pas les mêmes roches, ça vient d'ailleurs. Ben, ça vient. Ça a déboulé. Hein. Ah, ici, hein, c'est pas pire, ça aussi. Hein. Il y a des beaux gros trous. Des os, ouais, il y a des vieux, vieux os là-bas. Je vais perdre mes culottes en plus. Ah! Bon. Ah. Non, ça. Okay, je vais mettre ça là, je vais tirer sur mes culottes un peu. Un peu rouge, encore du sang. Ok, là-bas. Ah, c'est tout clean en dessous des arbres. Bon, ok. Je vois juste descendre en coulée. Là, ouais, il y a des traces tout le long ici. Des traces plus longues là. Bon, je vais aller voir où est-ce que j'ai laissé ma première offrande, voir s'il y a quelqu'un qui est passé. Je vais checker mon poulet, puis après ça, ben, je m'en vais. Il va me rester à peu près deux heures avant qu'il fasse noir, 2-3 heures avant qu'il fasse noir. Je vais descendre à la place que je suis jamais allé, de l'autre bord. Oh, du poil! Du poil de chevreuil, d'être là. Ou de chef de montagne, il y en a un peu partout. Il y en a un qui s'est fait déboîter. On va peut-être pogner des os en descendant quelque part. D'autres os. Moi, je ramasse pas les os, je ramasse juste les crânes. Les bouts de crâne, des cornes. Je vous montrerai ça à un moment donné. Ils sont dans ma vanne. Ils sont dans ma vanne où j'ai ma job d'hiver. J'ai tout mouvé. Hein? Hein? Tabarnak! Hein? C'est un os, ça? Ça, c'est une vache. Ici, il y a des terrains plus bas. Regardez ça. Ça, c'est une vache. Il n'y a pas de rignal ici. Non. Puis des elks non plus. Puis c'est pas une chevelure. Moi, c'est vieux. Là. Je l'ai cassé en le frappant. Puis il y a des os. Non, ça, c'est une vache. Ouais, le crâne, il est là. Il est là, ça, c'est le crâne. Il est tout déboîté. Il est vert. Il est en pourri. La colonne vertébrale est ici. Ouais, ça c'est une vache. Ouais, c'est ça, les cattle ranch, ceux qui ont des vaches aussi, ils les laissent aller tout l'été, au printemps, début de l'été, printemps, ils descendent dans le... Alors, je pense que ça comme il faut, ils sont encore perdus. Ils montent dans les montagnes, comme ça, ils sont pas obligés de les nourrir toute l'année, tout le restant de l'année. Ben, jusqu'à l'automne. Ils en perdent quelques-uns parce que il y en a qui vont en manger, mais à chaque semaine, il y a des gars à cheval qui. Des ranchers, des gars à cheval qui descendent, qui viennent faire un tour, puis ils se promènent à cheval, puis ils checkent à peu près où c'est qu'ils sont, rendus. Puis... Entends du bruit, là. Il y a quelque chose qui recule en avant de moi, là. De l'autre bord là-bas, là. Je vais parler fort, je vais continuer à parler. Je vais casser des branches. Oh, c'est quoi ça là? Non, c'est une souche, ça. Ouais, ok. C'était pas mal haut. Pour me faire pogner juste avant d'arriver au char, là. Ça serait quand même pas mal le nom. Bon. Oh, tabarnak. Oh, excusez. Il y a plein de traces. Les vaches sont pas montées ici, là. C'est juste que. Les coyotes puis les animaux doivent les avoir pognés des os puis ils sont promenés avec. Ou des fois les juvéniles, les sasquatch juvéniles, ils s'amusent avec des os, là, ils traînent avec eux autres, puis ils empilent à des places. Puis, c'est comme un enfant, faut que ça joue avec quelque chose. Là. C'est pour ça qu'il y a des arbres qui sont tous modifiés, puis il y a les branches. Encore. Bon, là je commence.